Ça, c'est la troisième fois que nous sommes en train de vivre ça. Nakata siège Nabisso. Cet acharnement contre SID, parce que SID fait peur, parce que Martin Fayoulou fait peur, nous n'allons pas nous laisser faire. Ce n'est pas M. Tshilombo qui va arrêter ces combats. Il se trompe. Malheureusement pour eux, au fur et à mesure que Bazoko s'acharnait contre Bisso, nous nous aiguisons encore davantage notre engagement dans le combat pour la récupération de la souveraineté de notre peuple. Nous avons des informations. Ba milice au IDP s'est conformé na Kingabwa. On les a récupérés, on les a mis dans les unités de la police, certains d'entre eux, et ceux qui sont dans les unités de la police, c'est eux qu'on envoie pour venir saboter et s'y dépouvoir. La police qui a la mission de protéger les personnes et leurs biens, c'est cette police qui vient tuer les gens, c'est cette police qui vient saccager le bien d'autrui. C'est totalement inacceptable. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce que ce sont les policiers qui ont commis ces forfaits-là. Nous avons encore des cas des opérations, Bandeko, Bukanaki, Makolo, tout ça. Bandeko, Fobasala, Radio, le garçon qui a été tapé à la tête dans Libanga, Azali Radio, Aliboso, Fobasala, Scanner, Mubimba. Nous allons user de tous nos droits constitutionnels, de tous nos droits légaux, profondément, de façon que les responsables. Et puis, réparer ma préjudice ou ma cause. Moto, on a un dialogue, les lots, pour ça, la partage au pouvoir, M. Tshisekedi. C'est quand même politique. Il sera totalement mort. En plus, on a suffisamment lucide sur le plan politique pour comprendre que nous ne pouvons pas aller partager le bilan négatif de M. Tshisekedi. Non, nous, il ne s'agit pas de partage de gâteau, on n'en a pas besoin. On va partager quel pouvoir? Pouvoir, il y a Palissade, il y a Chile Gelou, il y a 100 jours. Ils ont oublié qu'en 2015, ils avaient milité pour que la CENI soit dirigée totalement par la société civile. Ils ont tout ce qu'ils ont fait du DEPES, le combat qu'ils menaient là, c'était vraiment le mensonge. Bah, conseil du peuple congolais, c'est moi qui refuse que tu trouves consensus. À Nairobi, là-bas, ils prennent l'engagement, ils consultent, ils négocient avec les groupes armés qui sèment la terreur, massacrent nos compatriotes à l'est du pays. Lui, son père, dans ce pays, lui a laissé quelle terre pour qu'Azouango a le négocier à Pessango. Qui ne connaît pas les revendications du M23? Qui ne connaît pas les revendications de tous ces groupes armés-là? Vous informer en temps réel et dans la vérité, c'est notre devoir. Bandeko Banza plus clair télévision, Mbote Paebi, Sezomi Bino, et surtout bienvenue dans le numéro Asika émission Vérité de tous côtés, émission Asika Tosola Kamboka sur le plan politique, sécuritaire, paix sociale, Namukola Lelo, micro à plus clair télévision, et Kiti et pas à moi Namboka, Nakombo à monsieur Adrien Maleng, Azali Moko et ma communicateur et SID, Poto Sola Mboka, Tolobela, O et Salami Bongo, semaine dernière, comment on a dégagé policiers, bazalaki bendabika na population à partir à paix des peuples tiliboso ya siège à SID quand même pas mon amboka Martin Fayoulou tout le monde ba policier ba sakajaki ba bébisi ba en tout cas ba panti ba sali des autres tokiti pour toutes aux réactions ya monsieur Adrien Maleng en tant que moko ya ba communicateur ya la mouk ya SID sans plus tarder na pousser pembe na papa Adrien pendant qu'on paie ses maloba mbote papa Adrien. Moi, je suis un journaliste, moi, je suis un je précise qu'effectivement, je suis l'un des communicateurs de la Mouka. Donc, je suis un peu porte-parole de la Mouka. Merci beaucoup, papa Adrien. Quand on a été décidé, je suis un communicateur de la Mouka. Tout ça, le sujet est vraiment passé. Je suis un peu plus tard, je suis un peu plus tard, je loi électorale, population, je suis décidé. Je suis un peu révolté, je suis un peu du peuple comme d'habitude. Le Kinois a manifesté pour dire non à membre de l'Assemblée nationale, dans l'État électoral, mais tout le monde a dit que le Benin a été policier et puis tout le monde a revanche, tout réplique que le policier a été libéré, il y a siège, il y a SID, il y a un pandi, il y a un ordinateur, il y a une carte qui a battu. Mais avant toute réaction, tout le monde a dit le président a été en exercice, M. Adolphe Mouzi, qui a été sur le terrain à SID pour être en train de se faire. Avant toute réaction, tout le monde vidéo, on se retrouve tout juste après.
création de papa patria. Merci maman. Ben, réaction Zali à indignation. Indignation parce que nous avons rappelé que Zali, première fois, tout le monde dans la police est violé siège Nabisso et saccagé et même emporté certains biens de bureau. Ben, en fait, celle est liée à bureau, donc des documents administratifs. Ekei, Okupanza, Biloko. Ça, c'est la troisième fois que nous sommes en train de vivre ça dans le siège Nabisso. Alors, mais cette fois-là, madame, Ezali, c'est grave parce que, à part l'élément à la police, il y a eu les éléments de la police militaire. Okay, donc, de militaires. Ouais. Des militaires, en tenue militaire avec Badjip Tabango, APM, Libosowana, et c'est eux qui ont appuyé le policier et donc qui ont récupéré certains de nos militants Otilelo, Toebi et Sika Bazaliti. Madame, cet acharnement contre Essidé se justifie parce que Essidé fait peur, parce que Martin Fayoulou fait peur, parce que Martin Fayoulou c'est le seul qui a un discours cohérent, c'est le seul qui est constant dans son combat, c'est le seul qui aujourd'hui incarne les aspirations à peuple congolais. Il fait peur, il faut le déstabiliser. Parce qu'en même temps, madame, je profite ou je rappelle que est commis acharnement, destruction et assiège Nabisso trois fois de suite, mais arrestation arbitraire, il y a un militant Nabisso. Vous avez vu comment est-ce qu'on a arrêté 10 de nos jeunes militants. Il y a quartier 3, mon fief, Olelo, 9. Bazana Boloko, na prison à Makala, et Moko a profité le lot, d'autres n'ont rien à morgue, n'ont pas condité, parce qu'il faut qu'on voit clair dans cette situation-là. Vous vous rappelez de l'arrestation de Luc Malembe à Beni, un garçon très brillant, cadre à SID, Kotombo, la Mongongo, partout, à Zakobla Makambouya, échec, il y a état de chèques sur l'état de siège, tout ça, on l'a pris, on l'a jeté en prison comme un malpropre. Boyebi Luc Moulopoué, animateur, animateur, il y a Mokwaba, place de résistance, l'émission La New List, qui a été arrêté en pleine émission. Et aujourd'hui, où je vous parle, avant, donc gardé pendant 2 mois, Nakacho à 1 an, et puis on l'a pris, on l'a jeté en prison comme un malpropre. Donc, et comme acharnement sur Essidé, et nous disons que nous n'allons pas nous laisser faire. Ce qui met ce Chilombo, à Kanisi que, Bisoto Bondissa Mobutu, tu bondis ça Kabila pour instauration de démocratie comme dans Mboka Nabisso. Et tu continues à bondir ça il y a d'abord qu'on faire peur na SID bien à faire peur na ba patriote congolais au bazali sima il y a combat au Martin Fayoulou za ko incarner combat au ezali à peuple congolais alinga mona changement na kata vie na e alinga récupérer souveraineté na e alingi Congo lelo ezala commande une fierté pour Nabisso nyonso. Donc ce n'est pas M. Chilombo qui va arrêter ces combats. Il se trompe. Ce n'est pas lui qui va arrêter ça. Donc, madame, Ezali, vraiment un acharnement. Stratégie, Ezali, simple. Nous affaiblir, disperser en fait nos bases, nos places de résistance, nos éléments les plus aguerris qu'on déstabilisait. Bango, nous connaissons la stratégie. Mais malheureusement pour eux, au fur et à mesure que Bazoko s'acharnait contre Bissot, nous nous aiguisons encore davantage notre engagement dans le combat pour la récupération de la souveraineté de notre peuple. Donc, Ezali Mawa, nous, on va continuer ce combat. De toutes les façons, nous savons que nous avons affaire à une dictature qui ne dit pas son nom. Nous avons affaire à des gens qui sont illégitimes, qui sont capables d'utiliser n'importe quelle voie pour accéder au pouvoir. Et ce sont des gens qui sont sans pitié. La démocratie qui nous chantait là-bas, comme la mission démocratie, mais le loto comme on a que démocratie, on a, et ça, quand même, bébé, parce que je ne peux pas dormir et me réveiller, penser à un seul instant que, madame, je termine par là. Nous avons des informations que, milice, Oyo IDPS a été formée dans Kingabwa. Ces gens-là qui sont partis, on ne sait pas là où ils se trouvent, mais nous savons là où ils se trouvent. On les a récupérés, on les a mis dans les unités de la police, certains d'entre eux, et ceux qui sont dans les unités de la police, c'est eux qu'on envoie pour venir saboter SID, pour venir déranger SID. Madame, vous avez vu les images. Avec les tenues. En tenue de la police, vous avez vu des images. Moutou policier dans la tenue,
Bakangi moto manifestant pour maîtriser déjà Okinawa, mais policier à se permettre à Kitinase, à Zulibanga, à fracasser crâne, il y a un militant. C'est un militant d'un parti politique, ça n'a rien à voir avec le force de l'ordre, ça. La police qui a la mission de protéger les personnes et leurs biens, c'est cette police qui vient tuer les gens, c'est cette police qui vient saccager le bien d'autrui. C'est totalement inacceptable. Mais nous disons que tout ça, vraiment, comment dire, engagé dans le combat, et personne ne nous fera peur. Donc, continuer le combat jusqu'à ce que le peuple va récupérer sa souveraineté, jusqu'à ce que nous allons résoudre la problématique de l'illégitimité ou de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Ok, merci beaucoup, M. Adrien. Question, M. Isali Tolandi, présent à la Mouka en exercice, M. Adolf Mzi, toi, le bébé était blessé parce qu'il y a eu des blessés, parce que ma balle et tout, ma bangane, tu peux évoquer, ma blessé, on a pas allé dans le camp Kokolo actuellement, M. Mzi, tu as dit que le gouvernement a par la responsabilité à traiter ma blessure. Mais tout le monde a mis le cas que tout le monde a résisté à la bine de la chambre qui bon à Koufa qui met-il là jusque-là. Est-ce qu'en ces moments, si vous êtes sûr que le gouvernement est qu'on en charge, ma militant, vous avez dit bon, on a quand qu'on êtes-vous sûr? Le coordonnateur de la Mouka a fait son travail, a visité le siège à SID. Vous savez qu'il est le coordonnateur en exercice. Ouais. SID Zali. L'une des composantes, il y a la plateforme la Mouka, c'est okay. Tout à fait normal qu'il y a ça là. Vraiment, nous lui disons un grand merci en tant que SID, mais les Kamba pris en charge. Lui, il est dans la logique, c'est un homme d'État. Il vous dit que dans ces contextes-là, le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce que ce sont les policiers qui ont commis ce forfait-là. Ce sont les policiers qui ont commis ce forfait. Non seulement prendre, réparer, maintenant ils prennent en charge, bah blesser, comme ça la banane, préjudice subi. Mais destruction, les matériels emportés à. L'autre fois, ils sont venus, ils ont cassé, nous-mêmes nous avons réparé. Ils sont revenus pour la deuxième fois. La police, cette milice de l'île de peste là habillée en police. Cassé, on a réparé. Ils viennent encore pour la troisième fois. En principe, pour réparer. Mais dans un premier temps, nous, en tant que parti, nous ne pouvons pas laisser nos militants gravement blessés pour attendre que, l'État a sa responsabilité. Nous avons pris des dispositions pour qu'en tout cas, base à la prise en charge sur le plan médical, nous sommes en train de nous battre pour que, base en charge, nous avons profité d'ailleurs de la micro-naïo pour nous remercier, moi, Namboka Ali Chibouaboua et Sika Azali. Pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire, le soutien, l'élan de solidarité pour ne pas blesser et tout ça. Donc, toujours continuer, ils ont la main de Kebele, au Bazako Bengabiso, Bazako soutenir, ma blessé. Nous avons encore des cas des opérations, Bandeko, Baboukanaki Makolo, tout ça. Bandeko Fobasala, Radio, le garçon qui a été tapé à la tête dans Libanga, Azali Radio Aliboso, Fobasala, Scanner, Mubimba. Donc, on a vu une image policière, le côté Libanga, donc exactement. Exactement, c'est avec intention. Allez, quand vous demandez, un bon moment, gloire à Dieu que Azali, mais Azali, des gars, il faut examiner en profondeur tout le monde parce que tout est allé au Bassakana en Angoté. Donc, alors maintenant, nous allons user de tous nos droits constitutionnels, de tous nos droits légaux pour Bilo Kabuzo Bao et Salimate. Et puis, nous allons une fois de plus accuser la police, cette police-là, profondément de façon que les responsables. Et puis, réparer ma préjudice au causer du saut. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. À propos, M. Adrien Malenga, il y a un communicateur, il y a la Mouka, mais quelle cause il y a sur les canis, M. Adrien, Isali Bongo, l'Assemblée nationale, loi électorale. Au Télémi, au BT, il faut bon côté, l'année il est gâté parce que c'est qu'il y a intérêt à régime en place. Mais donc, il y a un peu pas question de bosser un dialogue, un consensus et un partage à pouvoir. Qu'en êtes-vous jusque-là? Au bon niveau de quoi, il dépasse pas ça, amnésique. Madame, dans ce sens-là, mon candidat Oyo, Ezali, feuille de route, il y a une dépasse signée à Bruxelles le 14 février 2015. Feuille de route, il y a une dépasse. À l'époque, il dépasse. Voulait voir clair dans le processus électoral. Il avait proposé des discussions avec le pouvoir en place. Nous soutenions cette démarche, nous étions avec eux. Bon, consensus sur le processus électoral.
Le consensus, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est que nous, le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, on menait ce combat-là avec l'IDPS hier, madame. Je prends la feuille de route de l'IDPS. Rapidement, Nathan n'a pas battu l'expression. Ordre du jour, il y a dialogue topé à la discussion à Bangou. Et Zalini, d'abord, un, règlement contentieux électoral à 2011. Deux, définir un processus électoral consensuel. De quoi est-ce qu'on parle? Trois, la restructuration de la CENI. On parle de la dépolitisation de la CENI. De quoi est-ce qu'on parle? Parce que même dans Makamba CENI, balobi bien que il convient de mettre en place une CENI dont les membres sont constitués de manière paritaire, à savoir 12 membres, dont 6 sont désignés par le camp du système Kabila et 6 autres désignés par le camp du changement. C'est-à-dire qu'il y a Tshisekedi. Hein? Tous doivent. Donc, c'est ça. Et on parle de la dépolitisation. Ils disent, mais tous devront être choisis uniquement au sein de la société civile. Okay. De quoi est-ce qu'on parle? Quand on parle de la dépolitisation, c'est ça. Nakaï, un peu plus loin. Sous le contentieux électoral, les choix des animateurs posent également un problème en raison de l'intervention directe de M. Kabila dans la désignation. Pour la Cour constitutionnelle, Balobi, ceci implique également que les 9 membres de la Cour constitutionnelle soient désignés par consensus. Par consensus, madame. Mais c'est quand même extraordinaire, madame Dozo, quand les lois vont de quoi IDPS. Les gens sont amnésiques. C'est le combat qu'on sommes en train de mener aujourd'hui. Pourquoi? Oui, mais dialogue, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Biso tozali, toko sa la politique. Moto on a rolinga que na dialogue lelo pour ça la partage au pouvoir de M. Tshisekedi. C'est qu'il y a une politique idée. Il sera mort. Il sera totalement mort. T'as la bande de côté, t'as une bande d'opposition, Baranda Kabila, pour la biftec, Basila. Bande de côté, t'as une bande de lutte à la côté union sacrée, Bakundama. Donc, nous sommes suffisamment lucides sur le plan politique pour te comprendre que nous ne pouvons pas aller partager le bilan négatif de M. Tshisekedi, tu as choué dans une mémoire, tout comme dans le gouvernement. Mais pendant le coup, ta prestation de serment, attendre le bisou au Kotoboy, le long de ton quota. Non, nous, il ne s'agit pas de partage de gâteau, on n'en a pas besoin. Dès le départ, on va dire clairement que nous n'allons pas participer à un pouvoir illégitime. C'est clair, il faut que ça soit connu. Donc, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les composantes sont connues, les parties prenantes au processus sont connues. Tous ça, la Mouka, tous ça déjà prêt, n'a pas proposition d'ambition sous la loi électorale. Tous ça, Union Sacrée, Mata, Azan, ma proposition d'ambition. Tous ça, FCC, Bango, Bazan, ma proposition d'ambition. Société civile, Bazan, ma proposition d'ambition. On peut même envoyer des techniciens. On ne demande pas que Fayoulou se rencontre avec Tshisekedi, avec Kabila. Non. On peut envoyer nos techniciens pour une réunion de 4, 5, tout au plus, une semaine. On lève des options. Et puis, tout, bah, il y a un parlement, on met ça dans la loi, nous toquons une élection, c'est tout ce qu'on demande. On va partager quel pouvoir? On va partager quel pouvoir? Pouvoir, il y a Palissade, il y a Chile-Gelou, il y a 100 jours. Mais attendez, il faut quand même que les gens, à un certain moment, soient sérieux. Donc, Bisso, ma partage à pouvoir est à l'ibisouté. Nous sommes dans un combat, dans une logique. Le combat, c'est la restauration d'un véritable état de droit, renforcer notre démocratie et surtout la récupération de la souveraineté de notre peuple. Il est hors de question que, bah, même en loi, rappelez-vous, madame, loi organique portant gazation et fonctionnement de la CENI. Mm-hmm. C'était la loi Lutundu, là, je crois. Mm-hmm. Tu as vu comment est-ce que cette loi a été saucissonnée dans le Parlement? Mm-hmm. Mata, qui est le militant plus IDPS que IDPS lui-même, président APAJ, a saucissonné loi, ils ont taillé une loi sur mesure pour faire ce qu'ils ont fait là. Ils ont oublié que en 2015, ils avaient milité pour que la CENI soit dirigée totalement par la société civile. Ils ont oublié ça. Le commissaire a un document, on ne peut pas réellement ici qu'à Bazaï qui commène le combat et puis aujourd'hui, Bazo déraille. Balomwa na combat, donc tout ce qu'ils ont fait du DPS, le combat qu'ils menaient là, c'était vraiment le mensonge. Bah, conseiller peuple congolais, c'est ça ce que je vous demande. Nous, en 2015, 14 février 2015, ils luttent pour que les membres de la CENI proviennent uniquement de la société civile. C'est ça, exactement. Ils luttent pour que nous ayons un compromis, un consensus sur le processus électoral. Je veux même vous étonner, parce que quand on parle de vérité des urnes, Mabi, vérité des urnes, c'est quoi? Mais eux, ils ont parlé de la vérité des urnes, le point configuration politique. Par exemple, les élections de 2011 ont eu le mérite de configurer politiquement la classe politique congolaise et de recadrer la ligne de démarcation claire entre ceux qui soutiennent le système en place et leurs alliés d'un côté et ceux qui réclament la vérité des urnes de l'autre.
Non, ça c'est l'UDPS qui parle, le 14 février 2001. L'UDPS aussi a parlé de vérité des urnes. Mais oui. Alors maintenant, alors moi je me dis, soit il faut semblant d'être amnésique, soit c'est l'argent de l'État qui vole, qui le rend amnésique. C'est le combat qu'on a mené avec eux hier. C'est nous qui sommes logiques, nous sommes constants, nous nous sommes restés dans ces combats. Et c'est l'UDPS en face de nous qui dit que non, comme consensus, ni tout ça, tout ça. Mais pendant qu'il refuse que tu trouves consensus, à Nairobi, là-bas, il prend l'engagement, il consulte, il négocie avec les groupes armés qui sèment la terreur, massacrent nos compatriotes à l'est du pays. Vous voyez, et non seulement ça, mais lui, tu sais qu'il dit, il sait que ces groupes armés-là sont entretenus par le Rwanda et l'Ouganda. Il a signé des contrats avec eux. Il a même signé des contrats, en fait, des alliances militaires, mutualisation de forces de terrain. Tandis que Yoka Bandekoya, il est passé par le Mokotambo, Kadaliko Bunda, des parts et d'autres pour Nakozonisa, Kimia, Yamwake, Koluka, négociation, on a des groupes armés, tu habites Nangambo, on a Bino, Bouamian, Lolengé, parce que yé, selon yé, Daliko Luka, Koko, c'est Kimia, Nakatiamboka. Négociation, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que le M23 veulent pendant tous ces temps? Mais ils veulent prendre une partie de notre terre. Il va négocier avec eux pour leur donner quelle terre? Lui, son père, dans ce pays, lui a laissé quelle terre pour qu'Azouango a qu'on négocie à Pessango. Qui ne connaît pas les revendications du M23? Qui ne connaît pas les revendications de tous ces groupes armés-là? Non, madame. Le problème, c'est que nous avons un leadership faible. Le problème, c'est que nous avons quelqu'un qui a fait alliance avec les gens qui sont responsables et déstabilisation est du pays. Vous voyez le plan mapping? Au Congo, on a clairement établi responsabilité à l'armée rwandaise, à l'armée ougandaise, à Makambo et Salemaki. Bon, vous savez, madame, Kisangani, guerre à 6 jours, madame. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, nous avons un leadership au rabais. Il faut, là maintenant, pour résoudre le problème, c'est ce que nous, la Mouka, nous disons, commençons d'abord à avoir une armée à nous. Extirpons de cette armée tous ces infiltrés-là. Moi, je dis toujours aux gens, James Kabarebe n'est pas venu en tourisme ici comme chef d'état-major. Il n'est pas venu en tourisme. Il y a un moment où ils ont infiltré, ils connaissent tout, stratégie militaire, tout parce qu'ils ont le top dans le niveau armé. Il faut extirper ce top-là, doter la République démocratique du Congo d'une armée forte, dissuasive, équipée. Et pour le faire, il faut être suffisamment intelligent pour créer les richesses. Il faut être suffisamment intelligent pour, booster les recettes de l'État. Aucune réforme qu'ils ont proposée, le logo permet de mettre sur le bac. Donc, un régime incapable de gérer le pays, je crois que l'heure est venue pour que nous puissions terminer, arrêter avec cette aventure IDPS, fermer cette parenthèse de cauchemar IDPS, confirmer parenthèse, que nous ayons un pouvoir qui sera issu du peuple, un pouvoir qui aura une vision, un pouvoir qui va faire en sorte que le Congo soit respecté. On ne peut pas aujourd'hui, après tant d'années qu'on a souffert avec ces groupes armés, demander au Grand Congo d'aller s'agenouiller devant ces gens-là, Yoka Bango ou Lingini. Non! C'est totalement inacceptable. Si nous avons un pouvoir fort, un pouvoir qui s'assume, un pouvoir qui en amont avait fait en sorte que budget à l'État est à la macasse, Missolé est à la macasse, Mbobo a reçu 650 millions de dollars il y a 100 jours, Bakot Samosu qui est armé, ceux qui sont en sécurité, Mbobo a tiré gelou, Baham, tout ça, cet argent-là, si on avait mis ça pour renforcer le pilier de l'État moderne, comme on dit, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Nous avons des militaires qui se battent au front affamés, qui ne connaissent pas le sort de leurs enfants qui sont restés. Pendant ce temps, les gens vous tapent des millions, des centaines de millions de dollars, 100 jours, tu les genoux, etc., etc. Et même de palissades. Donc, voilà. C'est un gouvernement, c'est un régime de jouisseurs, hein, des opportunistes qui sont là. Par exemple, pour des raisons de type digestif, ça s'arrête là. Donc, il faut qu'on va congolais, Basili Sali Kambolo, en dotant le pays d'un pouvoir légitime, qui aura une vision et qui va commencer à résoudre le vrai problème qui se pose. Merci beaucoup, monsieur Adrien. Tout chuté la question. Oh, parce que la fois dernière, tu qui n'est Grande-Bretagne, bah, ça accord, on a Rwanda, pour être bah, relocalisé, bah, réfugié, bah, dit, bon, on a le Royaume-Uni, bah, quitte la Rwanda. Est-ce que RDC est la sous-victime, tu es, comment que parti nous sous tout le monde, bah, anglais. C'est un danger, madame. Et ça, quand on a cadre à continuer le plan de balkanisation à Mboka, il n'y a pas autre chose que ça. Et ça, quand on continue le plan de balkanisation à Mboka, le Rwanda lui-même a un problème de terre. Il a un problème de terre. Maintenant, il demande au Congo Brazzaville un lopé de terre. On veut le mettre juste à côté du Congo. Vous savez pourquoi est-ce que la Russie fait la guerre à l'Ukraine?
parce que l'OTAN est venu la Ukraine à la porte de la Russie. Et okay. Poutine a dit que c'est un danger parce que j'ai mes ennemis à la porte de chez moi et il fait la guerre à l'Ukraine. Mais en faisant la guerre à l'Ukraine, en réalité, il ne fait pas la guerre à l'Ukraine, il fait la guerre à l'OTAN. Okay. C'est ça. Alors, cette situation devait normalement nous interpeller, si nous avions au moins un pouvoir responsable, les interpeller. Au besoin même demander à l'ambassadeur du Congo-Brazzaville et même de Rwanda de venir dire, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez entendu dans le passé Kagame construire un village moderne dans l'Est. Vous avez entendu ça? Donc, ils sont dans la logique de la balkanisation. Ils vont vous amener des réfugiés qui réellement ne le seront pas. Créer une situation qui renforce l'intérêt pour ne pas continuer à déstabiliser le Congo. Lui, le Rwanda, a des réfugiés, comment dire, chez nous ici qui créent des problèmes, les internements et tout ça là. Il a des réfugiés rwandais ici chez nous. Pourquoi il ne prend pas ces gens-là, il l'amène chez lui? Pourquoi? Il va aller seulement chercher les gens derrière tout ça, tout ça. Bon, ils ne le prennent pas parce qu'ils savent que Bazawana pour conquérir la terre du Congo, l'est du Congo. C'est ça. Donc, malheureusement, on n'a pas, de dirigeants capables de pouvoir faire face au système et aux stratégies de Kagame et des autres. Eux, ils embrassent Kagame. Ils signent même des contrats commerciaux alors qu'ils ne savent pas que Kagame est là avec un objectif, c'est balkaniser le Congo. Merci beaucoup, monsieur Adrien Malenga. Toujours comme un souk à émission, la vérité de tous côtés. Mais avant ça, ma haut, non, sur les cannes, ok, le message, à présent, Martin Fayoulou, à Abikopé, ça n'a pas mon assiège, n'a dit mon numéro 1, parce que c'est lui le président, Nidaki Sakage. Qu'est-ce qu'il a dit, ou bien, message, n'est-ce pas, à l'obac après, comment on a fait, tout, image de l'écanakim pour les vendredi. D'abord, pour les élections, je crois que le Nidaki Tuit n'est pas organisé les élections dans le délai constitutionnel et de manière trouvée un consensus sur le processus électoral, c'est lever l'option de maintenir le Congo, le coup, les Congolais dans la pauvreté, dans la misère. C'est inacceptable. Ça, c'est de un, puis de deux. Le message qu'il lance, alors oui que non, nous sommes en train de lutter pour notre pays. Les combats qu'on mène, on ne mène pas ça pour Fayoulou ou pour Essidé ou pour la Mouka, non. Nous avons mené combat pour la Mouka, pour la Mabélé, pour la Bissot. Nous ne serons jamais intimidés, nous allons mener ce combat jusqu'à la victoire. C'est ça le seul message que nous pouvons, que le président lance à l'égard des Congolaises et des Congolais. Merci beaucoup, Toko Nasuka, M. Adrien. Là, c'était le message qui a moins un à Martin Fayoulou. Maintenant, le message n'a eu un peu un beau à l'Andion, à l'émission, à l'émission, à l'Elo. Vérité de tous côtés, partout dans le monde entier, du band à peine à 4 à l'Elo. Non, tout ce que nous pouvons dire, c'est que Neymar Bakana Bible, acculé de partout, menacé, mais jamais abattu, comment dire, nous continuons le combat parce qu'il s'agit de la terre de nos ancêtres. Nalobaka. Nous avons le devoir sacré en tant que Congolais. Ce devoir, c'est consigné dans notre constitution. Nous allons assurer la grandeur du Congo. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et c'est le combat que nous sommes en train de mener. Nous voulons un Congo plus beau qu'avant. Nous voulons assurer la grandeur de ce pays. Et si ça doit passer par tout ce que nous avons vécu là, nous sommes d'accord. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Et nous sommes sûrs que nous allons gagner parce que notre cause est juste. Merci beaucoup, M. Adrien Malenga. Tu es comme dans la émission Nabiso, mais au PC numéro de téléphone, tu es pour nous contacter d'une manière particulière, vos opportunités pour ce Anayo personnellement. Plus 243 90 288 93 71. Donc plus 243 90 288 93 71 ou 71. Merci beaucoup, ma tante Mingi, moi, un beau Adrien Malenga, un dégon Dimaki, micro à plus clair télévision, écoute, aïe pas inaïo. Merci beaucoup, Nabino Bandi, Bandeko Banda Plus Claire Télévision. Bouzaki Bongo et Bélé connecté sur la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel. Bouzaki Bongo Paya, Monamboka Adrien Malenga, Zali Bongo 4, on a 4 CD, puis Moka va communicateur à la Mouka, Bouzaki est poto sola. Namaïmans, le cas qui semaine passée, comme on a dengue va policier, ba Benanaki, Naba militant, Toba résistant et à SID, toujours pour Naitali Bongo et Tali loi électorale, Bouki réaction naïe, Bouki, ba lecture naïe, P. Analyse Naya Sali par rapport au sujet Ozaki et Bélé partout dans le monde entier. Koulanabiso, merci beaucoup à la grande équipe technique qui nous accompagne pour vous informer en temps réel et surtout dans la vérité. Merci à Napopolaïe, Mazamina Nassima Caméra. Merci au cordon Opi Mafuiku. Merci au DG Joël Koumbio. C'était la vidéo. Likez et partagez en gros. Zuli Baku et Kwanda Judith, comme on appelle toute première fois. N'hésitez pas à abonner-vous sur Plus Clair Télévision. Vous ne serez jamais déçus. L'information continue. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.